Alors vous allez voir, ce n'est pas une question si simple que ça, et je vais être amené à aborder quelques concepts. Je vais essayer de le faire de la manière la plus pédagogique possible sur effectivement comment quantifier finalement cette variabilité intraparcellaire pour savoir s'il faut moduler ou pas. Alors ça a pas mal été déjà évoqué par mon collègue Gilbert. En fait, la question, c'est celle-là, hein, finalement. Je pense que si on est tous dans cette salle, c'est qu'on est convaincu qu'il y a une variabilité intraparcellaire et que cette variabilité intraparcellaire pose question sur est-ce qu'il faut la gérer, pas, et comment la prendre en compte. Donc, typiquement, voilà, on a cette carte, on récupère cette carte avec des parcelles. Si je dois moduler, est-ce que je dois le faire sur l'ensemble de ces parcelles? Et puis, si je dois commencer, finalement, est-ce que je dois me focaliser sur quelques parcelles qui justifient, finalement, de mettre en place cette modulation. Alors pourquoi cette modulation? Tout simplement parce que pourquoi cette question, pardon? Tout simplement parce que s'engager dans des démarches d'agriculture de précision, comme l'a souligné Gilbert, hein, ça demande des investissements, pas que matériels, aussi intellectuels. Il y a du conseil derrière, il faut savoir interpréter. Et puis la question, c'est de savoir si cet investissement, finalement, est-ce qu'il est toujours justifié? Alors d'un point de vue économique, je l'aborderai peu, moi j'aborderai surtout les aspects techniques, mais évidemment d'un point de vue quantitatif, d'un point de vue qualitatif, que ce soit à l'échelle de la parcelle, mais aussi à l'échelle de l'exploitation, et pourquoi pas, hein, si on parle à l'échelle d'une coopérative, à l'échelle de tout un territoire. Et puis finalement, ce dont on a besoin, c'est d'une vision un petit peu objective. Gilbert l'a évoqué, si on a une variabilité un petit peu erratique ou structurée spatialement, effectivement, ça va devenir plus ou moins intéressant de gérer cette variabilité. La question, c'est comment on quantifie ce côté erratique ou ce côté structuré spatialement. Juste, si on parle d'opportunité, en tout cas, si je dois évaluer cette opportunité à moduler, il y a plusieurs compétences, il y a plusieurs composantes à prendre en compte. Alors, moi, vous allez voir, je vais me focaliser surtout sur l'opportunité technique, puisqu'en fait, d'un point de vue objectif, c'est celle qui pose beaucoup de questions, bien que l'opportunité économique abordée par Gilbert soit quelque chose d'important. Et puis, c'est aussi une opportunité environnementale, faut pas non plus le négliger, c'est-à-dire s'inscrire dans des bonnes pratiques, c'est aussi participer finalement ou répondre à des enjeux très actuels pour l'agriculture. Donc, quand on va parler finalement d'opportunité, est-ce que j'ai intérêt à gérer cette variabilité intraparcellaire, finalement, quelque part, c'est ces trois composantes simultanément qu'il faut prendre en compte. Et en fonction des lieux, en fonction de la stratégie de l'exploitation, en fonction tout simplement des aspirations de l'agriculteur, le poids affecté à chacune de ces composantes peut être naturellement différent. Alors, vous l'avez compris, hein, opportunité technique, clairement, c'est est-ce que la variabilité, je peux la gérer avec le matériel qui est à ma disposition? Donc, on répond à cette question-là. L'opportunité économique, je vais passer rapidement dessus, puisque ça a été abordé par mon collègue Gilbert Grenier. Mais est-ce que finalement, faire une modulation augmenterait ou justifie d'un point de vue économique? Est-ce qu'on va avoir un retour sur investissement, en tout cas, d'un point de vue économique? Et naturellement, l'opportunité environnementale, c'est en gros évaluer l'impact négatif ou positif que pourrait avoir cette modulation sur, évidemment, les effluents, l'azote, la protection de la nappe phréatique, etc. Puis j'ai rajouté, je ne sais pas si vous le voyez, une dernière composante, j'en discutais avec mon collègue Emmanuel et Emmanuel Lévesque tout à l'heure, qui est à mon avis aussi importante. Il ne faut pas la négliger, c'est la composante sociale ou l'opportunité sociale. Et alors là, elle est beaucoup plus complexe, hein, et je pense que donner une évaluation objective de cette opportunité-là, en fait, ça va être vraiment dépendant de l'agriculteur, des relations qu'il va avoir avec son technicien. Mais ça peut être aussi, tout simplement, on le voit, hein, une fierté, une légitimité de son métier à redécouvrir soit l'agronomie, à se poser les bonnes questions et à redécouvrir les bonnes pratiques. Et ça, c'est un paramètre important, difficile à objectiver naturellement, mais que naturellement qui intervient dans cette opportunité globale. Donc vous l'avez compris, moi je vais surtout me focaliser sur quelque part l'opportunité technique. Est-ce que comment quantifier cette variabilité intraparcellaire et est-ce qu'on peut comment la caractériser et qu'est-ce qui a été fait? Alors je présente juste un petit exemple, hein. Voilà, c'est une parcelle. Donc on a parlé tout à l'heure de variabilité erratique et de variabilité structurée spatialement. Donc là, c'est une simulation, hein. C'est une parcelle qu'on a simulée avec des algorithmes appropriés.
ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que ces trois parcelles, on voit, les images sont complètement différentes. Et pourtant, si je m'intéresse à la description, aux distributions classiques, elles ont exactement la même moyenne et la même variance, ou le même écart type, si vous préférez. Donc si je m'amuse à faire un histogramme de ces deux parcelles, c'est exactement le même. La seule chose qui change, simplement, c'est que moi, je me suis amusé à faire des permutations, à changer les points pour que l'organisation spatiale de cette variabilité soit différente. Alors, c'est ce qu'on parle finalement de structure spatiale croissante, et on comprend bien que bah, finalement, la parcelle de gauche, en fonction du matériel qui va être à notre disposition, va être beaucoup plus difficile, voire même, à la limite, il faut abandonner la gestion modulée sur ce type de parcelle. Et par contre, la parcelle de droite, elle, qui est organisée en grands motifs spatiaux, on voit des grandes zones, là, effectivement, va devenir intéressante, en tout cas, intéressant de, avec le matériel à disposition, de prendre en compte ces motifs spatiaux. La vraie question, c'est ben voilà, où est-ce qu'on fixe la limite, comment on s'y prend et comment on définit des indices les plus objectifs possibles, en tout cas qui parlent et qui soient compréhensibles, pour dire ben voilà, où est-ce que je m'arrête, quoi. Et voilà. Juste entre nous, hein, sur la parcelle de gauche, bon, ben peut-être qu'en fonction du matériel à disposition, il vaudrait mieux garder une gestion uniforme de la parcelle. On ferait peut-être moins d'erreurs que d'essayer de gérer la variabilité. Alors, ce travail, un petit peu, alors, ça comment dire, cette présentation, je l'ai construite avec, vous avez vu, il y a deux noms au début, avec Corentin Leroux, qui est un doctorant que nous avons, qui a fait sa thèse en contrat CIFRE avec l'entreprise SMAG. Et finalement, ça fait peut-être maintenant 15 ans qu'on se pose au niveau scientifique la question de comment évaluer cette opportunité. Et on a jugé opportun avec Corentin de dire, bon, maintenant, il est temps de faire un travail de synthèse sur tout ce qui a été proposé par nos collègues scientifiques d'Australie, des États-Unis, d'Espagne, d'Italie, de France. Hein, on a beaucoup travaillé également là-dessus pour voir ben, finalement où est-ce qu'on en est. Est-ce qu'on peut produire au moins des règles de décision à destination des professionnels pour les aider à choisir ou en tout cas à mettre en place des indices qui permettent de caractériser l'opportunité technique des parcelles. Alors, ce qu'on a identifié, là, on a épluché, je crois, 80 documents, ou une centaine de documents qui ont été édités dans le monde entier. Et on a identifié déjà des cas d'utilisation. C'est pourquoi les gens avaient besoin d'évaluer, en fait, cette opportunité de gérer la modulation. La première, elle est simple, hein, celle de gauche, c'est tout simplement objectiver ou évaluer objectivement l'amplitude de variation dans une parcelle. Donc là, on est sur un cas de figure relativement simple. Des cas un petit peu plus complexes, on va évaluer objectivement la variabilité spatiale dans la parcelle. C'est-à-dire que là, on s'intéresse vraiment à est-ce qu'on est structuré ou pas spatialement, est-ce qu'on a un phénomène complètement erratique ou au contraire, est-ce qu'on a un phénomène qui est bien organisé en large zone. Troisième cas d'étude ou troisième cas d'utilisation, c'est comparer la structure spatiale d'attributs, ça peut être le rendement, un indice de végétation, la conductivité du sol, peu importe, entre les parcelles. C'est-à-dire, j'ai 100 parcelles, voilà, sur lesquelles il faut que je commence pour être sûr de mettre en œuvre cette technique la plus rapidement possible. Et puis la dernière, c'est créer des cartes de modulation, et on va voir qu'il y a des indices qui permettent effectivement de créer ces cartes de modulation. Alors beaucoup d'indices existent. On a essayé je peux vous donner des références si vous voulez, mais de les structurer finalement. En trois grandes catégories. Première, c'est en fait la statistique classique, basée sur la distribution des données. D'autres qui sont basées plutôt sur les géostatistiques. Donc là, c'est les statistiques plutôt spatiales et l'analyse variographique. Et puis des indices qui sont basés. Alors, c'est rigolo parce qu'on voit l'origine des gens qui ont été confrontés à la définition de ces indices ou à la mise en œuvre. Donc là, on va trouver les gens du génie rural, hein, du machinisme, qui ont plus une entrée empreinte machine, mécanisation pour produire ces indices. Voilà. Et puis certains qui sont basés sur une carte de modulation, j'y reviendrai, qui sont assez similaires finalement. On va les passer en revue très rapidement pour vous montrer un petit peu comment ils sont conçus et aussi quels sont leurs inconvénients, leurs avantages. Donc les premiers types sont basés sur la distribution des données. Alors là, c'est tout simple, hein. On prend la parcelle, on calcule un écart type, une variance. En règle générale, on préfère le coefficient de variation parce qu'on normalise par la moyenne, ce qui permet d'avoir quelque chose qui est normalisé et qui permet de comparer les moyennes. Alors, vous avez l'image à droite, hein, tout simplement. Ben voilà, on calcule quelle est la dispersion de ma population sur la parcelle. L'avantage, c'est que c'est simple.
automatisable. On a effectivement un indice. Par contre, il y a un gros inconvénient. C'est que vous avez vu les deux exemples, les trois exemples que je vous ai montrés, ben, je vais avoir exactement la même valeur. Donc, que je sois structuré de manière erratique ou organisé spatialement, mon coefficient de variation ici sera le même. Ça me fournit quand même une information. Est-ce que ma parcelle est homogène ou variable? Mais par contre, je vais être incapable de savoir si cette variabilité est organisée dans l'espace ou pas. Deuxième type, elles sont basées sur les géostatistiques. Alors, je me suis amusé à faire une petite animation pour vous montrer un petit peu l'origine de ces phénomènes. Alors, on va prendre un exemple, hein, à gauche, voilà, une parcelle. Alors là, j'ai pris une parcelle simulée. Et vous voyez, j'ai représenté des petits cercles rouges dans cette parcelle. On va imaginer que ce sont des surfaces d'échantillonnage. Et je vais m'intéresser à la variance que je vais observer, ou la distribution de mes valeurs dans ces cercles. Alors, je ne sais pas si vous voyez, il va y avoir une petite animation, vous allez comprendre, hein, les cercles vont grossir. La distance moyenne à l'intérieur de ces cercles va augmenter, donc vous voyez, ça va être l'axe de mes abscisses. Et puis, en ordonnée, vous avez la variance qu'on va observer à l'intérieur de ces petits cercles. Hein. Donc là, j'en ai trois, je fais par exemple une moyenne, et je regarde quelle est la variance. J'ai mon premier point avec une distance à l'intérieur de mes cercles qui est de 10 mètres. Puis là, j'augmente la taille de mes cercles. Évidemment, si j'augmente, la variabilité, si vous avez compris comment ça va marcher, la variabilité à l'intérieur de ces cercles va augmenter. J'augmente encore, voilà, je suis à 25 mètres, ma variabilité va augmenter encore. J'arrive à 40 mètres, elle augmente toujours. Puis au bout d'un moment, ben, je vais tendre naturellement vers la variance de ma parcelle, puisque mes cercles vont augmenter, et je vais comme ça, finalement, intégrer la variance de ma parcelle. Et je vais comme ça dessiner un objet qu'on appelle le semi-variogramme qui va me permettre de résumer comment ma variable est autocorrélée sur ma parcelle. Alors ce qui est intéressant, c'est que ce semi-variogramme, ça, il est utilisé pour plein d'autres choses, mais nous, il va nous permettre d'avoir trois types d'informations. Premièrement, quelle est la proportion de variance qui est erratique, d'ailleurs, qui n'est pas structurée dans l'espace, donc elle est représentée en vert. Quelle est la proportion de variance qui est structurée dans l'espace, donc qui correspond à un phénomène d'autocorrélation, c'est mes zones, donc elle est représentée en bleu, et surtout la distance à partir de laquelle j'observe ce phénomène. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la portée de mon semi-variogramme, et lui va me renseigner sur ma taille de mes zones, la taille moyenne de mes zones, quelque part. Entre nous, quand on voit ça, ça pose de sacrées questions sur nos problématiques d'échantillonnage aujourd'hui. Hein. C'est-à-dire qu'on se rend compte que quand on fait des points d'échantillonnage, s'ils sont trop rapprochés, c'est comme si je faisais la même valeur puisque mes données sont autocorrélées. Donc quand on voit ça, on se dit, oulala, il y a plein de choses qu'il faut qu'on revoie, y compris nos procédures d'échantillonnage sur nos parcelles. Alors comment sont utilisés, nous, ces indices de cet objet géostatistique? Tout simplement, alors ça va être relativement simple, hein, on va extraire des variables estimées, on va s'en servir pour calculer des indicateurs. Alors je vous en ai extrait trois qui sont plus ou moins complexes, donc l'indice de Comparnella. Le mean correlation distance, en fait, c'est la distance moyenne d'autocorrélation. Vous avez compris, en gros, ça va être quelque chose qui va être proportionnel à la portée de mon variogramme. Et puis, des indices un petit peu plus compliqués, si vous voulez, on peut en discuter et je vous expliquerai comment ça marche. Alors, le gros avantage de ces indices, c'est qu'ils caractérisent la structure spatiale. Ils prennent vraiment en compte le côté spatialisé de ma variable. Ils sont sensibles à ce à quoi on attend d'eux, hein, c'est-à-dire est-ce que mes éléments structurants sont importants, est-ce que j'ai une amplitude de variation importante. Donc ils résument bien ce que j'attends d'eux, et donc du coup on va pouvoir les utiliser pour comparer les parcelles entre elles, ou en tout cas pour savoir si une parcelle peut faire l'objet d'une modulation. Par contre, ils ont d'énormes inconvénients. Premièrement, vous l'avez vu, hein, il faut quand même des compétences en géostatistique. Ce n'est pas automatisable. Donc ça veut dire que le modèle là, que je calcule, bah, il faut que je le cale à la main comme je peux, et en plus, quelque part, c'est un petit peu subjectif. Donc on a quand même une sensibilité au travail de l'opérateur. Et puis, un autre inconvénient, c'est qu'ils sont sensibles à la résolution des données. C'est-à-dire que pour que je puisse le calculer, il faut quand même que j'ai beaucoup de données, en règle générale, au moins 90 points pour être en mesure d'avoir une estimation fiable de ces indicateurs. Alors tout ça a fait qu'il y a eu d'autres approches qui ont été proposées pour un peu compenser ces phénomènes. Elles sont basées sur l'empreinte en fait d'une machine. Alors j'ai pris un exemple simple dans un domaine que je connais bien, enfin voilà, donc plus la viticulture, mais on voit bien qu'en fonction des opérations et en fonction des machines, on va avoir des empreintes spatiales qui sont différentes en fonction de la largeur d'application, de la vitesse à laquelle on travaille et aussi de la vitesse avec laquelle on va pouvoir changer une modulation.
Et on comprend bien qu'en fonction de cette empreinte spatiale de machine, ben on va être en mesure de gérer une variabilité plus ou moins structurée. À la limite, je dirais, avec ma machine là, qui gère les 4 mètres carrés, peut-être que la parcelle de gauche, on peut la gérer, qui semblait erratique. Hein, par contre, certainement pas avec mon épandeur d'engrais. Donc je ne pourrais gérer que la parcelle de droite. Donc ces indices, en fait, vous l'avez compris, sont très très simples. Hein, ils consistent à simuler le passage d'une machine et à regarder quel est le pourcentage d'erreur qu'on va faire en modulant. Hein. Et donc du coup, bah, plus mon empreinte spatiale sera importante, et si j'ai une variabilité erratique, à la limite, je vais me tromper tout le temps, et là, il vaut mieux que je revienne finalement à une gestion moyenne de ma parcelle avec la machine considérée. Alors il y en a de plusieurs types, voilà, on a beaucoup, nous, travaillé là-dessus, y compris avec mes collègues australiens. L'avantage, c'est qu'ils parlent. Hein, ils prennent en compte ben voilà, les caractéristiques de la machine, la vitesse, la largeur, donc on peut finalement les utiliser. L'autre avantage, c'est qu'effectivement, ils prennent en compte, ils sont sensibles finalement à la variabilité de la structure spatiale ou d'amplitude de variation de ma parcelle. Je n'ai pas besoin d'ajuster un modèle, et puis ils sont complètement automatisables, c'est-à-dire qu'une fois que j'ai défini mon opération, voilà, je peux avoir un logiciel qui le fait tout seul, ça peut être même fait sur le cloud. Ils ont quand même des inconvénients. La première, c'est qu'ils sont sensibles au type de données qu'on va avoir en entrée. Encore une fois, la résolution, elle est importante. Donc, pour certains d'entre eux, on est obligé d'interpoler les données, ce qui modifie quelque part la distribution des données. Voilà. Donc ça, c'est un inconvénient majeur. Autre type d'indice, alors eux, ils sont basés sur, on parlait tout à l'heure de zonage. Donc, ils sont basés sur le fait qu'on va déjà délimiter des zones au niveau des parcelles. Donc ça peut être fait par des algorithmes automatiques, hein, il y en a qui existent, qui sont déjà implémentés hein, par notamment certains fournisseurs de services. Et puis on peut le faire naturellement, manuellement. On peut définir, si on veut, des zones. On dit, voilà, je fais, par exemple, c'est ce que vous avez à gauche, hein, 3 zones sur ma parcelle. Et on va, sur ces zonages, sur ces zones existantes, on va définir de la même manière une circulation de la machine. On va faire circuler la machine, donc c'est ce que vous avez sur la deuxième illustration, avec une vitesse d'avancement, une incertitude sur les positions et une largeur d'épandage. Et naturellement, avec la machine, on ne va pas pouvoir traiter exactement les limites des zones que l'on s'était fixées. Donc ça, c'est ce que vous avez en bas, finalement, c'est les zones rouges. C'est toutes les erreurs qu'on va faire avec la machine, en tout cas l'empreinte machine que l'on a décidée. Et en fait, on va se servir finalement de cette erreur pour quantifier, en fait, finalement, l'opportunité. En tout cas, est-ce que la question, c'est est-ce qu'on ne fait pas plus d'erreurs que de gérer spécifiquement ma parcelle? Et ça va nous permettre, pour une machine donnée, pour un zonage donné, de définir finalement, est-ce qu'il est opportun ou pas de gérer une variabilité intraparcellaire. Alors ça, c'est un travail qu'on avait fait avec un thésard en contraste RIF, un CIFRE avec Airbus. Et à ma connaissance, c'est toujours cet indice-là qui est implémenté sur, je regarde Johan, qui est toujours implémenté sur Farmstar, et je crois que, sur les images Farmstar, et je crois que l'indice est livré sur les machines. Tu confirmeras éventuellement, Johan. Alors, l'avantage de ces indices, c'est qu'ils sont interprétables. Ils font appel à une machine. Ils prennent en compte, en fait, la machine. Ils sont bien sensibles à ce à quoi on les destine, hein, donc caractériser l'opportunité. Et puis, par contre, ils ont un gros inconvénient, ces indices, c'est qu'ils sont dépendants de la méthode de zonage que vous allez mettre en œuvre. Hein, c'est-à-dire que bah, si vous faites un zonage avec des grandes zones, bah, vous allez effectivement dire ce zonage, il est très facilement gérable. Alors, c'est peut-être pas un inconvénient. Par contre, si vous avez des méthodes de zonage automatiques derrière, ça peut être un inconvénient, puisqu'en fait, ces approches vont être sensibles à la méthode de zonage que vous allez utiliser. Alors, je ne vais pas m'étendre sur cet arbre, hein, mais le travail qu'on a fourni avec Corentin, il est intéressant parce qu'il nous a permis, justement, en faisant l'analyse de tout l'existant, honnêtement, hein, on s'est rendu compte que c'est le Far West. Ce qui est normal, hein, c'est, on est sur quelque chose de nouveau, ce n'est pas encore stabilisé. Par contre, il faut mettre un petit peu d'ordre là-dedans, parce que sinon, voilà, les gens sont complètement perdus. Et même, ce qui peut être embêtant, c'est d'utiliser un indice d'opportunité ou un indice de la mauvaise manière.
Hein. Donc, ce qu'on a essayé de faire avec Corentin, c'est vraiment de mettre de l'ordre dans tout ça et de proposer un arbre qui, en fonction des cas d'utilisation, en fonction du type de données auxquelles on était confronté et en fonction du type de réponse qu'on attendait, permettait à l'utilisateur de choisir éventuellement le meilleur indice possible parmi l'ensemble des indices disponibles. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que, vous l'avez compris, c'est quelque chose qui est complexe. Et c'est pas évident, hein, parce qu'on doit à la fois, pour avoir un indice qui va bien, à la fois quantifier une amplitude de variation et à la fois une structuration spatiale. Et en fait, on est toujours, on doit produire quelque chose qui résume ces deux composantes. Et malheureusement, aujourd'hui, il n'y a pas d'outil mathématique qui, en un seul indice, comme une moyenne, une variance ou que sais-je, nous permet de prendre en compte ces deux phénomènes qui sont fondamentalement très très différents. Et du coup, tous les indices, finalement, sont des composantes, forcément, de ces deux aspects. Voilà. Donc, je vous l'ai dit, il y a une grande diversité des indicateurs. C'est le Far West. Voilà, on y est. Ça, c'est en train de se mettre en ordre. Ce qu'il faut que vous compreniez aussi, c'est que, comme c'est un peu le Far West, il n'y a pas aujourd'hui, mis à part quelques sociétés qui produisent des logiciels clés en main pour être en mesure de les calculer, ce qui explique que dans bien des cas, les gens restent sur des indicateurs relativement simples, comme le coefficient de variation, par exemple, qui présente quand même de sacrées limites. Alors, il y a quelques essais hein, de logiciels open source qui permettent de s'essayer au calcul de ces indices. Moi, je pense qu'à terme, ils devront être intégrés soit dans les éditeurs de logiciels ou dans certaines chaînes de traitement. Et puis encore, il y a encore du travail, enfin, en tout cas en tant que chercheur, on a encore du travail dans ce domaine-là, en tout cas pour essayer de mettre de l'ordre et de standardiser et de trouver des indices faciles à utiliser et de s'assurer qu'ils soient disséminés auprès des instituts techniques et de la profession. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Qui pose une question ? Oui, monsieur, on va vous donner un micro juste là. À gauche, au milieu. Est-ce qu'il y a une question par la suite ? Comme ça, on vous donne déjà d'avance un micro, ce qui permet de gagner du temps dans le transfert. Monsieur, si vous voulez bien vous présenter. Bonjour, Christian Agut, consultant, Possibilité Agri. Par rapport à ce que vous expliquiez au niveau de la géostatistique, j'interviens surtout côté viticole. Et c'est vrai qu'il peut y avoir de l'hétérogénéité entre individus, alors soit génétique, dans le cadre de sélection massale ou de plantation multiclonale, et également par historique des plantes, avec notamment des erreurs dans la façon de gérer la taille, où on peut avoir des pieds déjà dépérissants, alors que d'autres sont encore en meilleure santé. Donc est-ce que vous avez un éclairage sur à quel point ces choses-là peuvent empêcher de révéler la variabilité spatiale ? Et puis, et du coup, est-ce qu'il ne faut pas rajouter une couche de traitement pour déterminer dans les parcelles dans lesquelles cette hétérogénéité empêche la variabilité spatiale et celles pour lesquelles c'est bon, on a une homogénéité assez correcte pour travailler vraiment cette spatialisation. Merci monsieur. Variabilité génétique, obstacle à la variabilité spatiale. Ouais. Alors je dirais que sur les cultures pérennes, en tout cas, où les pieds sont individualisés, même parfois on peut individualiser les grappes hein, quand on parle de qualité, même parfois les baies. Forcément, plus on va descendre, plus on va avoir une variance importante. Et en viticulture, la variance, par exemple, interpied, mais c'est le vrai en arboriculture, elle est importante. Hein. Alors, on a beaucoup travaillé là-dessus. J'ai travaillé en collaboration avec mes collègues australiens. Sur les plus jolies parcelles, en fait, la variabilité interpied de vigne, par exemple sur la vigueur, sur les poids de bois de taille, c'est de l'ordre de 80%. Donc on a une variabilité très importante parce qu'on a de la compétition interpied, etc. Ce qui justifie peut-être encore, alors peut-être je vais loin, j'en sais rien, il faudrait parler avec mes collègues écophysiologistes, mais des approches raisonnées au pied, notamment la taille par exemple, hein, qui est importante. Par contre, ce qui est important, ce qui est intéressant, c'est alors en fonction de ce qu'on veut faire, par exemple la fertilisation, si on ne peut pas la gérer au pied, à mon avis pour l'instant on n'y arrivera pas. Mais ça peut être de se dire, voilà, comment moi je résume cette variance-là pour au moins ce qui va être structuré dans l'espace, que je le prenne en compte de la meilleure manière possible. Ça pose d'énormes questions. Hein. En tout cas, dans sa profession viticole, par exemple, la variabilité qu'on va trouver intergrappe, interpied, ne serait-ce que de la qualité et du rendement,
pose des questions sur la vendange sélective, la sélection. Est-ce qu'on fait une sélection par zone? Est-ce qu'on, enfin, voilà. Ou est-ce que finalement cette variabilité-là, elle ne fait pas partie intrinsèquement de la qualité et de la richesse de la vendange qu'on apporte? C'est pas résolu. Par contre, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est aussi que cette variabilité erratique, elle peut être liée aux plantes elles-mêmes, donc à la variabilité inter-individu. N'oubliez pas quand même le capteur et l'observateur. Hein, c'est-à-dire qu'il y a une part de cette variabilité qui est aussi liée à ce que nous on fait en tant qu'observateur, dans mesures, etc., ou au capteur qu'on utilise pour effectuer cette mesure.